أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد من خير ابن سيون إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On commence par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui, par sa permission et solo, nous fait rejoindre dans sa lieu-là. Et pour nous, session, la réalité et gravité des bidats dans Dine à l'Islam. Alors, toujours, réponse à un faux argument qui, Ahlul Bidat, j'ai avancé, j'ai servi comme preuve pour justifier Bidat Hassana. Nous, dernière session de réponse à un faux argument. Aujourd'hui, c'est parole des ulama. Alors, certaines paroles de certains ulama qui, certaines finrod interprètent li dans sa façon qui li envie et je fin servi sa parole de ban salaf salih là comme preuve pour justifier bida hasana. Ban imma de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et donc, ça c'est nos sessions d'aujourd'hui. Et à partir de demain, et ben, jour qui pour venir, Inch'Allah, toujours dans réalité et gravité des bidats dans Dine à l'Islam, nouveau cause concernant relation, mot relation avec ben Ahl al-Bida. Est-ce qu'il nous a casse relation avec ben là, ou soit qu'il l'Islam financièrement, et qui ça nous considère comme un bidati? Parce qu'une fois, il y a une pose question, il y a mon propre maman, mon propre papa, dans tout ça, il y a une bida qui vous peut dire là, mais est-ce qu'il m'a besoin d'arrêter de causer aux autres, casse relation avec d'autres? Ça, à partir de demain, Inch'Allah, nous pouvons apprendre quand nous gagnons droit casse relation avec un bidati et quand nous pas gagnons, quand nous pas gagnons droit, et qui s'en a, nous considère comme un bidati. Alors, parole des ulama qui, certaines finrod servi pour justifier bida hasana, comme une honnêteté et une justice, nous dit Ali, en vérité, il y a plusieurs ulama qui finissent d'accord avec Bida Hassana. Mais, quand nous avons cette explication, soit nous trouvons qu'il est vraiment d'accord avec sa légalement qui appelle Bida Hassana, là, et ça n'a pas une annonce drôle là-dedans pour nous, si arrivé vraiment, Saban savant de l'islam là, fin d'accord avec Bida Hassana, puis il n'a n'a rien de drôle, puis il n'a n'a rien de pour étonner dedans, et puis il n'a n'a rien de tracas à prendre, qui fait nous trouver qui sa quantité de preuve, en relation avec sa quantité de preuve depuis Coran, Sunna, authentique, et parole de Ban Salaf, Ban Sahaba, Ban Tabi'in, les pas représentent n'a rien devant quantité devant preuve qui nous fait mettre devant où. Fait qu'on m'a dit, il y a quelqu'un, ben, alim, qui digne de confiance, fin d'accord avec Bida Hassana. Ok, pour un petit moment, nous dire, ok, je suis d'accord avec Bida Hassana. Mais en comparaison avec sa quantité de preuves qui nous fait amener depuis Coran, Sunna, parole de Ban Salaf, Sahaba, Tabi'in, et tout Ban A'imma, qui fin mars le chemin des Ban meilleures générations, alors, sa bonne parole, de sa bonne ulama là, l'y tomber, l'y pina aucun valeur. Alors, c'est pas pour représenter aucun poids devant une preuve qui nous fait avancer. Ou bien, nous trouver qu'en vérité, ils ont pas d'accord avec ça légalement là. Mais ils finissent plutôt faire référence à Bida, à l'Ouraouïa. Comment nous t'expliquer? Bida côté langage. Donc, soit, parole des Saban Ulama, qui va finir sa vie pour justifier Bida Hassana. Vraiment, Saban Ulama là, t'es d'accord avec Bida Hassana. Et pour un moment donné, nous dire, ok, faire comment dire, parole là peut indiquer vers Bida Hassana, en comparaison avec sa avalanche de preuves, sa lot de preuves, sa avalanche de preuves, qui nous fait amener depuis Coran, Sunna, et parole de Ban Salaf au Soleil, sa ban parole là, il n'a aucune valeur. Ou soit, sa ban ulama là, quand dit une cause Bida Hassana, fin d'accord avec Bida Hassana, je fin amène lui de ce côté linguistique, c'est-à-dire Bida côté langage. Premièrement, nous gagnons Izzuddin ibn Abdi Salam, rahimahullah ta'ala, qui fait un mot à l'année 660 Hijri, il dit dans ce livre,
Qawaid al-Ahkam, dans volume 2, par 172 à 174, qui bid'a li kapav en wajib, ou en sunna, ou en haram, ou en makruh, ou en mubah. Elle divise bid'a en 5. Et sa explication-là, est correcte parce que sa division-là, sa façon de finir divise bid'a-là, il est approuvé par plusieurs ulama qui finissent après lui. Parmi nous, il Al-Qarafi, qui finit en 684. Nous avons l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui finit en 676. Nous avons l'imam al-Suyuti, rahimahullah ta'ala, qui finit en l'année 911 Hijri. Alors, c'est une fait écho de Izzuddin ibn Abdissalam pour dire qu'il bid'a soit li en wajib, li kapab en sunna, li kapab en makro, li kapab en mubah, etc. Alors ça c'est bana fin trap fin crampon avec sa parole là qui voilà ça man imam la même je d'accord avec bida hasana. OK, alors comme réponse nous dit Al-Imran, en vérité le savant Izzuddin ibn Abdissalam li parmi man premier qui fin dire qui bida li kapab en wajib, li kapab en sunna, li kapab en haram, li kapab en makro, li kapab en mubah. Mais quand nous get ban l'exemple qu'il fin amené pour bida wajib, bida haram, bida makro, bida mubah, bida sunna, quand nous get ban l'exemple qu'il fin donné, nous trouvons qu'il fin plutôt cause concernant bida étant n'importe qui nouveau qui chose. Et non plus étant un acte qui n'a une relation particulièrement à din à l'islam. Quand il fait une divise bida, dans sa façon la wadib, lut, etc., 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 il peut faire référence à bida qui pas dans din. Pas en relation avec din à l'islam. N'importe qui chose qui est nouveau. Micro, télévision, tablette, potable, lunette, etc. Claire? Alors, donc, il fait plutôt cause concernant bida, d'un côté langage et non plus d'un côté charia. Et d'après ce bon exemple, nous trouvons qu'il fait une considérer tout qui chose inventée comme bida, même si li pas en relation avec din, et ça li différent de ce qui nous peut causer, parce qu'il nous peut causer particulièrement concernant bida dans din. Donc, Izzuddin ibn Abdissalam, quand il cause bida, li ka wajib, li ka sunna, li ka makro, li mubah, etc., li peut causer en relation avec ce qui peut na, li pas concerne din à l'islam. Ça répond si moral. Il répond si moral, même, si sa savant-là, Izzuddin ibn Abdissalam, dit qu'il dans din aussi, il n'est pas dit ça à aucun moment, nous disons un petit moment, il finit dire oui, dans din aussi, un abida hasana, c'est un abida qui n'est pas blâmable, alors, ça c'est un erreur de sopa, c'est un erreur de sopa, qui nous fait droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y ait pardonné, en relation avec sa quantité de bonnes actions qu'il y en a là, mais, pas sa parole, pas parole de sa savana, rahimahullah ta'ala, qui pour faire nous résette parole du prophète, alayhi salatu wassalam, que lui dit, kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Donc, quand résette parole de Rasulullah, kull, qui englobe la généralité, et nous prend parole, et Izzuddin ibn Abdissalam, zame. Réponse numéro 3. À l'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, il dit, sa division là, sa division là, clair? Sa division là, il y a une petite chose inventée qui aucune preuve depuis Sharia pas prouve lui. Mais dans lui-même, il y a une petite chose contradictoire parce qu'en réalité bida, c'est qu'il pas il n'a aucune preuve depuis Sharia qui prouve lui, ni depuis ban texte, ni depuis Sharia et ni depuis ce ban principe. Alors, ça c'est réponse de l'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala. Al-imam ibn Rajab, deuxième alim, qui fait une cause concernant bida, et je fais une trappe sur parole, c'est l'imam ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Il dit, concernant bida, il dit, n'importe qui chose qui fait inventer, parmi les petites choses qui paient une source dans Sharia, qui supporte lui, n'importe qui chose qui fait inventer, parmi les petites choses qui paient une source dans Sharia, qui supporte lui. Quant à ce qui est une source depuis Sharia, qui supporte lui, ça n'est pas un bida dans Sharia,
même qu'il y a une bida d'un côté langage. Alors, certaines fin prennent sa parole là comme une justification pour justifier bida hasana. Alors, comme réponse, ben, ulama, je dis, premièrement, d'après Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, nous comprenons qu'il y a une petite chose qui est capable de bida d'un côté langage, mais il n'y a pas une bida d'un côté charia. C'est ça même qui nous fait dire, quand nous fait une cause concernant parole de Omar et Imam al-Shafi, rahimahullah ta'ala, dans une session qui fait écouler. Réponse Imorodé, dans sa même livre, Jami' al-Ulum wal-Hikam de Ibn Rajab, un petit peu par devant, Al-Hafidh Ibn Rajab, il dit, Kullu bid'atin dalala min jawami' al-Kalim la yakhruju anhu shay. Il dit, tout bid'a, c'est légalement, ou content, ou n'a pas content, ou pour dire, ça coupe, ça va la virer, tourner, ça même zot causé. C'est nous dîn, ça. Nous dîn qu'il y a danger. Dit, on peut introduire dans dîn Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les prophètes disent, nous, tout bid'a amène dans les gamins, et tous les gamins amènent dans l'enfer. Alors, bid'a amène vers l'enfer. Comment nous capables pas avertir un musulman contre bid'a? Comment nous capables pas avertir nos familles, nos enfants, nos propres disciples contre bid'a? Parce qu'il y a une question de paradis ou l'enfer. Alors, nous pas capables de dire à cause du préparer une bonne action, nous capables de faire dans dîn Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que dîn n'est pas propriété d'imoun. Il n'est pas propriété, c'est quand même, ben, prophète. C'est propriété Allah subhanahu wa ta'ala, ben, Rasul alayhi musallatu wassalam, c'est gain l'autre pour transmettre ce qui Allah fait nous autres l'autre pour transmettre. Donc, ou content ou pas content, virer tourner, d'imoun peut cause bida, ça même vous êtes causé, ça va là, alors, c'est pas pour sens, n'en dans dîn Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, jusqu'à mettre kafan l'eau, nous supposer averti contre bida. Et, donc, l'imam al-Hafidh ibn Rajab, lui dit, tout bida, c'est légalement, au content, ou n'a pas content, il n'est pas pour s'en donner dans dîn Allah. Tandis, quand on peut inventer dans dîn Allah, il pousse sans dîn Allah, il peut tenir l'image, vraie l'image de l'islam, doucement, l'islam qui les prophètes t'amènent pour disparaître. Alors, nous prenons compte pour rendre contre Allah subhanahu wa ta'ala, et nous pouvons pousser, si nous finissons introduire dans dîn Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui peut exister. Alors, il dit tout bida, c'est les gamins, c'est une phrase, parmi une petite phrase, Jawami al-Kalim, qui contenait beaucoup de significations, pas un anangé qui sortit depuis là-dedans. Pas un anangé qui sortit depuis là-dedans. Alors, moi, pour prendre plutôt parole de Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, alors, contentement, avec un tigit sunna, qui m'a fait beaucoup bida. Contentement, avec un tigit sunna, qui m'a fait beaucoup bida. Alors, ce qui fait, comment dire, il y a beaucoup bida, fin éparpillé, fin, pratiqué dans la société. On dit pas un problème, ça. Oh, les mêmes, ça, les autres, les musulmans, même ça. Clair? Alors, nous pas raisonner dans ça, dans sa façon là. Alors, l'imam Ibn Rajab, il dit, tout bida, c'est, légalement, sa parole, kullu bid'atin dalala, qui fin sorti depuis Mishkat al-Nubuwa. Ou content ou pas content, il pas pour s'en donner d'in Allah. Alors, kullu bid'atin dalala, tout bida, c'est légalement. Tout bida, c'est légalement, pina, alors, c'est déjà pina, n'en qui sorti depuis là-dedans. Tout ce qui appelle bida. Appelle-li comment ou appelle-li bon bida, bida moins bon, pas bon, tout bida, c'est légalement. Tout bida, c'est légalement. Et, numéro 3, réponse numéro 3, à parole de l'imam, Ibn Rajab, qui certaines fin trappé, nous tous nous connaît qui Cheikh Mohammed Ibn Salih al-Uthaymeen, les haine parmi ban plus grands savants de l'époque contemporaine qui fin mort en année 1421 Hijri. Claire? Alors, il n'a pas d'accord avec Bida Hassana, et pourtant, il n'est pas d'accord quand on lit sur une parole, et combien de paroles de Cheikh Mohammed Ibn Salih al-Uthaymeen nous fin mentionné, quand il n'est pas d'accord avec Bida, dans son intégralité, et surtout Bida Hassana. Mais malgré ça, dans sa définition pour bid'a, alors, les fins dire, une petite chose nouveau dans din, qui en contradiction avec ce que les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son sahaba, tilola, quoi que ce soit en akida ou bien en action. Alors, est-ce qu'ils ont poussé cette définition pour faire croire que chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen aussi d'accord avec bid'a hasana? Alors, de la même façon, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ta'ala, dit, est-ce que ce qui contredit un texte depuis le Coran et Hadith, il y a une bida basant l'eau, la cour
des bannes musulmans, n'importe qui vous faire. N'importe qui on te la votre Coran qui a venu là-dedans. Même quand tu es Amin, nous peut t'en peut faire écho à Amin là. Mais si ce n'est pas l'enseignement de Rasulullah, alors, ou content ou pas content, il n'y a pas pour sens n'en dans le dîn Allah, subhanahu wa ta'ala, alors, ou peut faire ou même, dit tout. Alors, est-ce qu'il je vous cite cette définition pour faire croire que Cheikh l'Islam et Mintemi Ali aussi est d'accord avec Bida Hassana? Non? Alors, paye la preuve encore là-dedans. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, je fais un service aux paroles. Il dit, l'origine des bidas, c'est ce qui finit inventé sans un exemple précédent. Et dans Sharia, Samola applique l'oseki à l'encontre du sunnah et à l'os lien qui tous blâmables. Considéré mauvais, blâmable, d'après la recherche attentive, bida, s'il y a une petite chose qui rentre parmi mon action qui est considérée bon par Sharia, il bon. C'est le point de là. Et s'il y a une petite chose qui rentre parmi mon action qui est considérée mauvais par la Sharia, il mauvais. Sinon, il est dans la catégorie Mubah et il est capable de diviser en les cinq la loi. Alors, je finis, prends sa parole là. Qui soit disant, Ibn Hajar aussi, fin d'accord avec Bida Hassan. Alors, comme réponse, numéro un, Hafid Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, peut dire que Bida dans Sharia, c'est une petite chose blâmable. Sans qu'il y fasse aucune exception. Donc, par sa parole-là, nous comprenons que Hafid Ibn Hajar pas d'accord avec Bida Hassana dans Dîn, et alors, quand il peut cause concernant bon Bida, il peut faire référence définitivement à Bida côté langage. C'est ça le problème aujourd'hui, quand je pas fin comprend la réalité des bidas. N'est tout vous venir, ça coupe, mais ça m'a viré tourner sans même de causer ça. Ça même nous dire, apprendre la réalité des bidas et la réalité des sunnas. Basons les paroles de Hudhayfa ibn al-Yaman. Pas ou alim, pas mou alim qui veut dire ça. C'est sahaba de Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Apprendre ce qui est bon et apprendre ce qui n'est pas bon pour ne pas tomber dans pas bon là. C'est ça les problèmes avec Ahlul Bida aujourd'hui. À cause de ça, qui vous trouvez en colère, frustré comme ça, qui fait je peux dire ça pas bon, parce que qui fait je pas apprendre réalité sunna et ni réalité bida. Donc, je ne pas faire différence entre sunna et bida. Elle est la même qui, vous êtes en colère, vous êtes vexé, quand je trouve ben savant de l'islam, depuis l'époque des ben sahaba, et jusqu'à de nos jours, averti contre bida, elle est même qui vous trouve ben vexé en colère. Alors, si je vous donne de la peine, vous apprendre réalité sunna et réalité bida, peut-être que tu peux tomber dans sa bonne pièce là. Créa. Et l'autre parole qui. Alors, je fais une première parole d'Ibn Hajar. Il peut dire qu'il tout bida blâmable sans qu'il y fait exception. Donc, comment nous sommes capables de comprendre qu'il Hafiz Ibn Hajar pas. Alors, donc, pour sa parole là, nous pouvons comprendre qu'il Hafiz Ibn Hajar n'est pas d'accord avec Bida Hassana dans Dine. Et alors, quand il peut cause concernant bon bida, il peut faire référence à bida côté langage. Réponse numéro 2. Nous avons un petit peu qui Hafid Ibn Hajar dire et tire aux propres conclusions. C'est vraiment l'indien qui est Nabida Hassana dans Dine. Il dit Muhdatha. Ibn Hajar, il dit que les causes concernant ma Uhditha. Ça a dit ça. Il dit Muhdatha, une nouveauté, peut dire une petite chose qui finit inventée et l'IP n'a aucune source dans Sharia. Dans le langage charia, appelle-le bida. Dans le langage charia, appelle-le bida. Une petite chose qui est une source qui est soutenue par charia, n'est pas un bida. Donc, bida dans le langage charia, il y a une petite chose blâmable, contrairement à bida dans le côté langage, parce que toute petite chose qui finit inventée sans aucun exemple précédent, appelle-le bida, même qu'il est louable ou soit lui blâmable. Alors, certains ulama fin divise, ils continuent de dire, fin divise Bida en cinq la loi, et ça, il y a une petite chose évidente. Parole du prophète, tout Bida, c'est légalement, c'est une règle islamique générale. Tiens, ce parole, ça? Ibn Hajar. Kullu bid'atin dalala, il dit, c'est une règle générale, islamique générale, par sa prononciation et sa compréhension. Al-Imam al-San'ani, il dit, un parmi les savants qui finit mort à l'année 1190 Hijri, je finis prendre sa parole aussi. Vous dites, mais Imam Sanani même d'accord avec Bida Hassana. Allos, clair? Al-Imam Sanani dit, ben ulama fin divise Bida en cinq parties. Wajib, Mandoub,
Mubah, haram et makrouh. Clair? Parole du prophète, tout bida c'est les gamins. C'est une parole générale qui finit pas particularisée. Alors, je prends ça, parole là, pour dire que l'imam al-San'ani même dit d'accord avec bida hasana. Alors, comme réponse numéro un, ici, l'imam al-San'ani peut cause concernant l'opinion de ban ulama en ce qui concerne bida dans le langage arabe. Clair? Quand ça concerne un bida dans din, côté langue, et quand ça concerne un bida dans din, get ce qui sa imam là lui-même lui dire. L'étudiant, une petite chose dans ma session qui finit couler, et a dit, mon, ce problème, c'est, il y a une preuve, il est contenté ici, il suffit avec ça, il suffit pas ça. Mais le problème, c'est rassemblement de bonnes preuves. Dans tout mas'ala, il est comme ça dans din Allah, nous rassembler tout bonnes preuves. Ensuite, nous tient une conclusion. Attention, on sait bien une preuve qui peut être l'infini, abrogée. Et attention, ça n'est général, il y a une petite chose qui vient, particulière, dans sa façon-là. Alors, c'est ça le problème. Je trappe une parole de Alima Moussanani, sans qu'ils aient guetté Alima Moussanani en général, qui lui dire concernant Bida en général. Alors, guette qui Imam Moussanani, lui-même lui dire, clair, il dit, dans Bida, il y a un qui est capable de faire son éloge. Dans Bida, il y a un qui est capable de faire son éloge. Il y a un Bida qui nous dit, ouais, il nous a fait son éloge. Clair? Il y a un qui nous capable de faire son éloge, mais tout Bida, c'est légalement. Sa parole qui va nous faire trapper là, il relate ce qui va nous la main dire. Banan prend ce qu'il relate là. Et non plus, il prend sur l'opinion lui-même, qu'il dit. Quand une cause bidan, il y a un ulama qui vient diviser bidan en wajib, makrou, l'autre pas ici, pas là. D'une façon, il peut relater, il veut dire, mais c'est pas correct. Mais vraiment, moi, ce qui me dit, parole générale du prophète, alayhi salatu wassalam, tout bidan, c'est légalement, mais tout bidan, c'est légalement, puis il y a un qui n'a pas à faire, sauf il ose. Et l'imam Moussan, il dit encore, il dit dans, et parole qui nous mentionne, il dit, dans le salam, et il dit dans Al-Insaf, tout bidan, c'est légalement, comment faire une prouver dans ban hadith. Clair? Et après ça, et, ce qui, fin attribué Ali encore, Ali Imam al-San'ani, il y a connu qui me considère tout bida comme légalement. Tout bida comme légalement. Alors donc, quand nous mettons tous ces bonnes paroles là ensemble, nous trouvons qu'Al Imam al-San'ani, pas d'accord avec bida hasana, et autres fins mal, servi supprimé. Et bon, si vous regardez, quand nous dit tout bida c'est légalement, en relation avec bida d'un côté charia, sa phrase là, il reste générale, c'est-à-dire, il englobe tout bida. Quand nous dit tout bida c'est légalement, en relation avec bida côté langage, sa phrase là, living, and, c'est un bida particulier qui pas légalement, hein, côté langage. Clair? Et, en cause de fin, prend comme, preuve pour justifier Bida Hassana, c'est ban ulama de l'université Azhar. Mais ban ulama de l'université Azhar même dit correct ça. Dis pas ce que ulama dit. Si ulama peut dire en conformité avec, ce qu'il peut dire en conformité avec din Allah, Coran et Sunna, alhamdulillah. Si parole sahaba contredit la parole de Rasulullah, nous résident parole des sahaba. Assez si ulama Azhar peut dire, soit tel ulama peut dire, tel ban ulama peut dire, et ça les contredit parole de Rasulullah alayhi salatu wasalam. Alors je montre parole ulama. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala finance nous comment pour agir dans moment de divergence. Alors nous retournons vers Allah et ce Rasul. Clair? Alors je dis à mon ulama de l'université Azhar même d'accord avec Bida Hassana. Maman, révélation ça. Clair? Alors, qui veut dire mon ulama de l'université Azhar, de toute chose nouveau, c'est pas Bida qui besoin blâmer. Là, je fais référence à Sharia. Tout qui chose dans din Allah, quand il est nouveau, pas nécessairement nous blâme. Clair? Alors, comme commentaire nous dire, mais si man ulama Azhar est d'accord avec Bida Hassana, mais nous prenons man ulama depuis l'époque des ban Sahaba, Tabi, Tabi Tabi'in, ban Salaf al-Salih après les trois meilleures générations, et ban ulama de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, de tel pays, maintenant pas d'accord avec Bida Hassana. Maintenant, pas d'accord avec Bida Hassana. Alors,
Basan Lola nous trouvait qui? Même sa parole-là, si, ban ulama de l'université Azad, il tombait du pénal, aucun valeur. Voilà, ben frère et ben sœur. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la compréhension de ce qui nous fait entendre, nous fait écouter, et lui découle dans nos cœurs et lui protège nos comptes. Bida, voici, ça c'était quelqu'un parmi les paroles de ban ulama. Et tout ce ban alim qui nous fait mentionner là, c'est ban alim de Ahlul Sunnah wal Jama'a qui banna Ahlul Bida final fouille dans cette parole pour essayer de trouver une preuve, à l'aspect la preuve dans ce qu'ils ont amené. Parce que quand je fais mine, Bida, Hassana, je fais mine côté langage et non côté charia. Et si un moment nous dire, nous résume ce qui nous fait faire comprendre aujourd'hui, si un moment nous dire que je fais mine, Bida, Hassana, devant la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, tout tombé, il n'y a aucune valeur. Chers amis, jazakumullahu khairan, nous retrouvons demain, Inch'Allah, à la même heure. Pour maintenant nous faire un autre volet dans réalité et gravité bida, c'est nos relations avec ban ahlul bida. Parce qu'il y en a du monde, sur ma propre maman, papa, bida, mais pas même ban ahlul bida, comment nous finissons d'autres. Alors, ce qui nous relations, comment nous faisons agir envers maintenant, qui la charia finit à nous supposer faire vis-à-vis ça va du monde. Jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala minna Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.